Psaume 62. Psaume 92. Superbe.
sont vraiment infaillibles. La sainteté s'attache à ta maison. Seigneur, pour la suite des jours, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, amen. Marie de Magdala et votre Marie, amen. Cantique de l'Exode, page 247. Je veux chanter pour le Seigneur, superbe sa victoire. Cheval et cavalier, il les jette à la mer. Le Seigneur régnera pour les siècles des siècles. Il est la force, il nous change, victoire et salut. Il est mon Dieu, je l'admire, Dieu de mon Père, et je l'exalte. Le Seigneur, guerrier, son nom est le Seigneur. Les chars du Pharaon, il les pousse à la mer. Son élite de capitaine a sombré dans la mer rouge. Les abîmes les recouvrent, ils ont coulé dans les bas-fonds. Ta droite, Seigneur, magnifique en sa force. Ta droite, Seigneur, écrase l'ennemi. Dans l'infini de ta victoire, tu abats tes adversaires. Au souffle de tes narines, les eaux s'amoncèlent. Et les flots se sont dressés pareils à une digue. Les abîmes se figent au fond de la mer. L'ennemi s'est dit, je poursuivrai, j'atteindrai. Je partagerai le butin, mon âme s'en gardera. Je tirerai mon épée et je ferai ma passe. Tu déchaînes ta fureur qui les consume comme paille. Tu as soufflé ton haleine, la mer les a couverts. Ils ont coulé comme du plomb dans les eaux redoutables. Qui est comme toi, Seigneur, parmi les dieux? Qui est comme toi, magnifique en sainteté? Formidable en exploit, auteur des prodiges. Tu étends ta droite, la terre les avale. Tu conduis par ton amour ce peuple que tu rachetas. Tu le guides par ta puissance vers tes saints pâturages. Tu le mèneras et les planteras sur la montagne ton héritage. Au lieu dont tu fis, Seigneur, ta demeure. Ô sanctuaire, Seigneur, qu'on prépare tes mains. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles, amen. Psaume 150. Nous chanterons le Seigneur ressuscité. Alléluia. Enfin, nous chanterons le Seigneur ressuscité. Louez-le en ses œuvres de vaillance.
triomphante. À tous ceux qui vivent et respirent, louange au Seigneur. Du livre de vie de Jérusalem au chapitre Pauvreté. Tu peux alors aborder l'étape de la pauvreté spirituelle. C'est le degré suprême, celle qui doit te conduire à la suite du Christ, tout nourri de la volonté de son Père, à l'abandon de ton vouloir propre, de ton pensée propre, de ton savoir propre, de ton amour propre. Donne-toi jusque-là. Désarme-toi. Perds-toi jusqu'à l'immolation de toi. Telle est la pauvreté dans l'esprit que te propose le Christ. Dès lors, si c'est l'Esprit qui te conduit, que l'Esprit aussi te fasse agir. La pauvreté matérielle est facile. La pauvreté solidaire reste laborieuse. La pauvreté affective est toujours douloureuse. La pauvreté spirituelle crucifie. C'est le degré le plus haut de ta Pâque de pauvreté, parce qu'elle veut te conduire au plus bas. Après t'être dépouillé de tout, puis des autres, tu dois à présent te dépouiller de toi-même. Non seulement te renoncer, mais encore te renier. Mais le Christ marche avec toi sur cette route. Le prix de ce don, c'est l'entrée dans la volonté du Père. Tu n'es plus esclave de personne, mais fils. N'étant plus rien, tu reçois tout. Pauvre de tout, tu es enrichi du royaume. Héritier de Dieu, et co-héritier du Christ. L'Esprit en personne se joint à ton esprit pour attester que tu es enfant de Dieu. Le Père et toi, vous êtes un, car tu fais ce qui lui plaît.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route. Et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Saisi de crainte et de frayeur, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet, dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ est ressuscité des morts, par sa mort il a vaincu la mort. Ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Le Christ a ressuscité des morts, par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Pour notre joie, tu peux ressusciter. Et la nuit, comme le jour illumine. Seigneur Dieu d'Israël,
qu'il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut. Dans la maison de David, son serviteur, comme il l'a dit par la bouche des saints, c'est autrefois ses prophètes, celui qui nous arrache à l'oppresseur, pour l'un de tous nos ennemis, à moi qu'il serait avec nos pères, et souvenir de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous donner qu'à franchir de la crainte. Servions en justice et sainteté devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, relevé à prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Qui annoncera son peuple le salut, en rémission de ses péchés, par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter, lumière d'en haut sur celle de la ténèbre, qui gise dans l'ombre de l'amour, pour nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, amen. Pour notre joie, tu es ressuscité. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Le Tavolo.
Seigneur Dieu, tu as uni des peuples divers dans la confession de ton nom. Accorde à ceux qui renaissent à la fontaine baptismale d'avoir au cœur la même foi et dans leurs actes le même amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.